Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Haie des Newtons. Je suis en compagnie de David. Salut Val, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, chantier d'arrachage de patates qui sont prévues, tout simplement. Parce que on a trouvé que c'était le mieux à faire, parce qu'on avait déjà. Bon, on a beaucoup de boulot sur la map, là-dessus on va pas se le cacher. On trouvait que c'était le mieux à faire en vidéo, tout simplement, là maintenant tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Genre, oh merde, j'ai loupé un rond, tant pis, ça fait rien. On va se débrouiller comme ça. Avec ces machines, putain, j'ai envie d'appeler ces machines les tanks. Oui. Ça, c'est des vrais tanks, c'est des engins là. Bon, moi je la fais aller un peu plus vite là. Bon. Tu t'en sors dans le coin là-bas. Preux les amis. Bon, bah décidément j'ai pas de chance avec Fraps. Donc je suis retourné avec Action Merylis là. J'ai l'impression que. Bon attends, tu sais quoi, on va couper, on va pas s'emmerder. J'ai l'impression qu'il a décidé de me faire chier en multi là. Quand je le lance, ça fonctionne bien les quelques premières secondes. Et après ça fonctionne plus. Donc je sais pas du tout pourquoi. C'est chiant quoi. Bah oui, un peu, ouais. C'est un peu chiant. Hop, alors attends. Vas-y, recule voir juste un peu. Hop, attends. Parce que ce que je vais faire, moi je vais repartir dans l'autre sens. Ouais, puis je vais m'occuper de la partie de droite. Bah allez, bah regarde donc, tu vas, toi. Je parle, Voilà. je me parle à moi. D'accord. Ouais, donc du coup je suis avec Action Merylis. Et comme je disais, même si t'as pas de deuxième écran pour le voir quand tu le lances, tu sais, dans la barre où t'as le son là affiché de Windows. Oui. Tu le vois, il y a marqué un petit R. Ah ouais, d'accord. Donc c'est bon, je sais que ça capture et puis c'est bien fluide, c'est nickel. Alors pourquoi Fraps me pète les plombs là en multi, j'en ai aucune idée. En solo, c'est impeccable, mais en multi, ça veut pas. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas le pourquoi du comment. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, je vais même pas me faire chier, je vais passer par Action Merylis dès que je vais aller en multi et puis ça va être fini. Ah, s'il faut régler le problème comme ça. Quitte à voir si je vais peut-être pas passer définitivement sur Action Merylis. Ah Ça, c'est pas impossible non plus parce que je sens que ça, c'est un truc qui va bien me casser les couilles. Parce que pourtant, en solo, c'est vrai qu'en solo, j'ai pas le moindre problème. Mais ah, c'est alors, marrant. pas le moindre problème que là, il décide de me faire chier, quoi. Et je comprends pas pourquoi. Ça. Mais bon. Au moins. C'est ça l'avantage d'avoir plusieurs logiciels, parce que quand t'en as un qui te fait chier, au lieu de perdre 2 heures à essayer de comprendre pourquoi, alors que des fois t'as rien à comprendre, tu prends le deuxième et puis le deuxième il fonctionne, et ben c'est bon, t'es gagnant. C'est ça un petit peu l'avantage, on va dire. Ouais, c'est vrai. Moi je suis déjà à 80% là. 74. Ça remplit vite, mine de rien, ces patates à la con là. Je crois qu'elles avaient été bien traitées aussi. Moi, je crois qu'on aura mis du fumier dessus, non? Ou du lisier, Je un des sais. deux. Un des deux, ouais. Ce que je sais, c'est que je suis en train de détourer en bas dans la grande ligne droite, mais je vais pas arriver jusqu'au bout, hein. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te ramener un fend tout de suite. Comme ça, je vais te laisser à côté de toi là-bas. Ouais, à la rigueur, ouais. Comme moi je suis à partie haute et toi t'es en partie basse. Je vais te ramener celui-là. Histoire d'être tranquille. Ouais, voilà. T'éviteras de courir jusque-là pour venir chercher un tracteur. Bon, moi je suis supplying. Ouais, j'arrive. C'est vrai qu'elles ont enfin que 20 tonnes, c'est déjà pas mal, mais c'est pour dire. Oh putain, je me suis foutu où moi? Je pensais qu'il y avait un chemin au bout. Oh, Ça fait monte sur les rien. patates! Allez hop, de la purée! Hop là! Non, ça fait rien. Je te le laisse par là ou quoi? Ah merde, bah t'es là! Oh là 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 là, je me fail! Oh. Et encore? Ouais, encore, ouais, il va se faire décidément jusqu'au bout, je crois, David, là. Ah ouais, c'est bon, ça va être ma partie. Je le sens bien. Voilà, vas-y, laisse-le là, va, je me débrouille. Tu le laisses là? Moi, je vais l'enlever, te fais pas chier. Bon, d'accord. Comme tu veux. Oh putain. C'est vrai que dans ces putains de machines, il faut rester dedans pour qu'elles déchargent. Oui. Je pense que je me serais fait baiser comme toi. Ah ouais, non, mais je monte dans le fen et je dis, mais putain, mais c'est pas possible, elle vide pas, je monte dans la machine, elle vide.
Bon, bah écoute, comme ça au moins ça c'est fait. Que bon, le fen sur les patates, il va un peu m'emmerder, je pense, hein. Ouais. Allez, on va le pousser. Voilà. Remontons là-dedans. Ah, les petites vues intérieures. Et on est parti. C'est parti, ça arrache, doucement mais sûrement. Et toi, tu t'en sors? Oh bah ouais, impeccable. T'as pas écrasé quelqu'un, tué quelqu'un? Non, 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 non. Oh, tu sais, c'est un grand week-end, il n'y a plus personne sur les routes ou quoi que ce soit. Oh bah, c'est Rien de parce qu'ils chance, savent c'est que t'es sorti, c'est pour ça. T'as dit, oh putain, on a un fou sur la route, tout le monde à la maison, fermez-toi double tour, ça sera plus sûr pour vous. Bon, je peux en plaindre, c'est bien. Ouais, au moins tu vas me dire, t'as pas de problème de circulation, quoi. Ah là, non. Ça, c'est clair que t'es pas emmerdé, hein. Bon, du coup, je vais pas me faire chier à faire des demi-tours à la con, on va prendre toute la longueur et basta. Bon, je tourne en rond là. Ah ouais, t'as coupé comme ça, toi. Ouais, j'ai coupé comme ça. Moi, j'ai pas coupé comme ça, mais je vais faire pareil parce que c'est plus long, effectivement. Comme ça. Ça m'a permis de ramasser le peu de patates que t'avais oublié. Hop, niveau 2, c'est parti. Donc, vous me direz dans les commentaires, les amis, par rapport aux vidéos classiques que j'ai pu tourner avec Fraps et avec celles que je tourne avec Action Merylis, n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence ou si vous ressentez une différence, peut-être tout simplement ou pas. Peut-être que ça sera un peu plus joli avec Action, à cause des réglages que j'ai faits ou je sais pas trop. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si y a quelque chose qui change. Après, c'est vrai que je suis désolé, mais je pense que je vais être obligé de faire comme ça pour le multi. Parce que visiblement, Fraps a décidé que ça n'allait plus en multi, qu'il avait plus envie de travailler, qu'il en avait peut-être trop fait, je sais pas. Mais du coup, je vais être vraiment obligé de faire comme ça, quoi. Donc je m'en excuse d'avance. Mais bon, à partir du moment que je peux au moins filmer, c'est déjà bien. Voilà. Par la suite, je vais peut-être voir pour faire un investissement qui sera rentable. Je vais peut-être voir pour carrément une carte de capture. Comme ça, je m'emmerderai plus avec Fraps, avec Action, avec plus rien. Mais après, avant de partir dans un investissement comme ça, il faut d'abord que je regarde lequel serait le mieux, quoi. En fait, si tu veux, c'est une carte à mettre en PCI Express, donc dans ta tour. Et après, tu raccordes. T'as un raccordement à faire de la carte graphique vers ce truc-là, en fait. Et après, ça te permet tout simplement de capturer directement dans le. Avec le PC, quoi, en fait. C'est fort ça quand même. Ouais, donc t'as l'avantage, parce que je crois que dans le prix, on a un. T'as des fichiers encore moins gros. Ah oui. Mais après, faut que je voie, parce que je sais qu'il y a un Aver Media, il a eu pas mal de soucis avec. Alors, je vais lui demander si c'est. Si ça serait un bon achat à faire ou si Bah oui. quelqu'un peut me conseiller autre chose, je sais pas, je vais voir. Parce que je sens que ces conneries de logiciel, à un moment donné, ça va me sortir par les trous de nez, en restant poli. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais voir pour peut-être je vais peut-être me renseigner, peut-être voir peut-être pour l'année prochaine, je vais voir. Parce que mine de rien, on est bientôt à l'année prochaine. Eh oui. Ça vient On vite. est 17 octobre, novembre, décembre, 2 mois, encore un Noël, génial, encore s'éclater le ventre, ça me ravit déjà ça. Ah ouais, pareil. Non mais moi ça me fait chier en fait. Ah bah moi la saison de Noël me fait chier, je te dirais complètement oui, mais par contre la bouffe, moi je suis pour la bouffe moi. Ouais mais c'est vrai que moi la saison de Noël me casse royalement les bon les bonbons. Oui, voilà, bah un petit peu comme tout le monde, enfin après maintenant chacun a son point de vue, mais Bien moi je sais que sûr. moi c'est pareil. Hein. Parce que C'est moi plus en ce que fait. c'était. Moi en fait ce qui m'énerve un petit peu dans ces périodes de Noël et tout ça, c'est que à croire qu'à cause d'une période dans l'année, il faut offrir des cadeaux aux personnes que t'aimes. Putain, moi je suis désolé. Comme Moi la Saint-Valentin. si j'ai envie d'offrir. Bon, alors la Saint-Valentin, c'est la pire des conneries qui existent. C'est Je vais en pareil. venir tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, moi, tout au long de l'année, si j'ai envie de faire plaisir à ma femme et de lui acheter un truc, j'ai pas besoin d'une fête de Noël ou d'une Saint-Valentin à la con pour lui offrir, quoi. Non, c'est juste que c'est la tradition française, voilà. Voilà. Enfin, Après, française bon, c'est mondiale plutôt sûr, même. Noël, c'est bien, tu te retrouves en famille quand même et tout ça, je suis Ouais, d'accord. fais des bonhommes de neige. Mais après, c'est vrai que. En fait, ce qui m'exaspère un peu, c'est qu'il y a quelques années, t'avais vraiment l'esprit de famille de Noël. Qu'alors aujourd'hui, malheureusement, quand tu vas dans les magasins, t'as que l'esprit Commercial. commercial.
C'est ça. C'est que en fait te niquer du pognon, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors attends, je vais faire comment maintenant? Bon, je vais faire comme ça. Maintenant, Noël, c'est devenu vraiment commercial, quoi. C'est pour te Ouais. dire, je sais pas si chez vous, David, vous avez des magasins Truffaut. Si, ouais. Si, 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 ouais. bah chez nous, notre magasin Truffaut, ils sont déjà en train d'installer Noël. Hein. Non. Si. Ouais, ça m'étonne pas, bah ils perdent pas de temps parce que bah, c'est leur chiffre d'affaires, donc Alors, j'étonne. qu'il y a quelques années, ça se mettait en place, mais vraiment au mois de décembre, quoi. C'était convivial, c'était Normalement, ouais, joyeux. c'est 2 mois à l'avance, ouais, à peu près. C'était convivial, c'était joyeux, c'était bien, tout simplement. Que maintenant, c'est vraiment, hop, emmener le fric, Simone, et fini, quoi. C'est ça, hein. Moi, c'est ce que je reproche typiquement à Noël. Bah, tu sais Bon. que les magasins Toys R Us, ils ont commencé à faire leur ravitaillement. Parce que j'ai travaillé une saison pour eux tout au début où je suis sorti de l'école. Et je travaillais pour eux là, à ranger les cartons, vider les camions et puis tout ranger dans les réserves. Bah, on avait commencé à peu près cette saison-là. Hein. Putain. Puis bah, après, tu restes après la saison parce que bah, y a des retours, des choses comme ça. Donc, faut refaire des palettes pour renvoyer ça chez le fournisseur. Enfin, c'est spécial les magasins de jouets. Ouais, c'est même pas. C'est. Bon, après, tu me diras, moi maintenant, tu vas me mettre dans un magasin avec tes cartes graphiques ou dans un magasin de paix, je vais être heureux. Mais après, c'est vrai que les enfants, eux, tu les mets là-dedans. Bah C'est. ouais, c'est ça, c'est Happy, Alibaba. quoi. C'est. Ils sont heureux là-dedans. Après, je dis pas, il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai que pour moi, Noël, c'est plus que c'était. Alors, la Saint-Valentin, je crois que ça, c'est le pire. C'est le pire, quoi. C'est typiquement commercial, quoi. Pourquoi est-ce que, à une date précise, hein? Non, mais pourquoi, à une Pourquoi? putain de date précise, il faudrait que tu emmènes ta femme bouffer au resto, claquer je sais pas combien, parce que tout simplement, les restos, ils en profitent pour augmenter leur prix, naturellement. Ah oui. Claquer des thunes pour aller au resto et offrir un cadeau à la con à la Saint-Valentin. Pourquoi que la Saint-Valentin? Je sais pas moi, enfin pour moi, tout au long de l'année, si j'ai envie d'acheter un truc à ma chérie, ben je lui achète, je l'invite au resto de temps en temps, toute l'année, j'ai pas besoin d'une fête pour faire ça quoi, enfin je sais pas. Non, c'est vrai. C'est comme l'anniversaire, hein. Tu t'offres un cadeau toute l'année. Bon après l'anniversaire, ça va, c'est C'est encore pas pareil. différent, parce que tu peux vraiment le Oui. faire que avec les gens que t'aimes, et puis tu peux le fêter ou pas, donc c'est Ouais, différent. c'est ça. Mais après c'est vrai que il y a des trucs moi qui me. Ils me sortent complètement par les trous de nez. Hein. Et je comprendrai jamais sûrement. Ouais, de toute Je suis façon, il n'y a peut-être même plus trop à con, chercher. hein, je suis peut-être vraiment trop con dans ce que je dis, mais pour Non, moi, non. c'est ce que je vois, hein, c'est tout. C'est la réalité, c'est comme ça. La dure réalité de la vie. Ah oui. Sortez la carte bleue et le portefeuille, voilà. Et baissez votre culotte. Pour qu'on vous encule bien, non, mais c'est ça. C'est ça en plus, hein. Ben C'est typiquement ça, hein. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah, du coup, il va falloir que je vide mon arracheuse bientôt, moi. Alors, on va reprendre ici. Attends, là, faut que je me redresse parce que ça va pas le faire. Hop, PEDA 2, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ouais, tu sais quoi, il y a un truc qui m'a fait halluciner l'autre fois. J'ai recherché ma vieille Clio, là. ouais. Et bon, naturellement, je lui en ai mis dans la gueule, comme à chaque fois. Et à un moment donné, bon, ben, le réservoir criait famine. Alors, je dis, Ouais. bon, ben, je vais aller mettre de l'essence dedans parce que j'en avais besoin. Je pars donc à la station tranquille et en général la Clio je mets allez hop quand elle est sèche de ses sèches et que t'es limite de pousser pour rouler je mets 50 euros j'ai le plein et je fais 750 km si je roule comme un gros sou non quand si je roule comme un ours j'en fais 600 et si je roule tranquille j'arrive pas tout à fait à faire 800 Ouais. j'arrive à la station machin je mets le plein donc on était comme d'hab on était vide comme d'hab je mets le plein je vois 62 euros je dis 62 euros, alors je la regarde, je dis, est-ce que t'avais un trou dans le réservoir ou est-ce que l'essence a vraiment nouveau augmenté? Bah ben non, 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 l'essence il augmente de nouveau, donc là on se fait nouveau bien enculé. Et j'ai entendu à la radio que le gasoil l'année prochaine prend 4 centimes en plus dans la gueule. Exactement. Magnifique, rouler en diesel c'est génial. Enfin, tu vas me dire rouler en essence c'est pareil, c'est tout aussi cher. Ouais, mais Mais bon. bientôt, ça c'est. Que tu roules en diesel ou en essence c'est pareil. Ah bah oui. C'est bientôt c'est pareil. Mis à part que le diesel te coûte plus cher à l'entretien, c'est tout. Mais le prix, parce que moi je me souviens en les années 2000, quand t'achetais un mazout, putain, tu payais même pas 1 € le litre. C'est ça, hein. Donc là, c'était rentable un gasoil, quoi. Maintenant, quand tu vois que le gasoil il est à 1,40, 1,42, tu. D'accord, ok. Oui.
Alors surtout quand t'as un Kangoo et qu'il faut mettre du bon gasoil dedans et quand tu vas chez Total, là tu perds encore plus. Ouais, quand tu prends du premium, là ça fait mal. Bah du premium, je mets 3 pleins de gasoil normal et je mets un plein de premium dedans. Oui. Ça allonge la durée de vie des injecteurs, alors je le fais. Et c'est vrai que quand tu mets du premium, le Kangoo, je le vois, il fume moins. Ah bah oui. Rien à voir, le raffinage doit être vraiment différent. Ah bah tu payes un peu plus, mais à côté de ça, au moins t'es tranquille. Ah ouais, non, mais moi je le vois, hein, parce que l'autre fois, quand je t'ai dit V6 biturbo 3 litres et que je l'ai monté à 170, le machin, fallait voir comme je l'ai décrassé, le pauvre. Le machin, c'était une usine à gaz. Hein. Mais bon, après, hein. Moi, ce que je dis toujours, c'est tout augmente, mais les salaires, eux, n'augmenteront pas. Hein. Bah non, c'est ça le problème. Que la vie augmente, c'est une chose, mais que si les salaires montraient par derrière, bon, bah, ça serait pareil, tu vas me dire, tu vois. Bah tu oui. Gagnerais plus, tu dépenserais plus, mais tu serais comme toujours. Et là, maintenant, tu gagnes pareil et tu dépenses plus. Alors, comment tu veux t'en sortir de nos jours? C'est ça. Et après, ouais, mais faut pas faire de blagues parce que c'est pas bien, si et ça. Et puis, il faut pas voler parce que... Mais en même temps, putain, ouais. Quand tu peux te faire un petit peu d'argent comme ça pour un petit peu mettre du beurre dans les épinards pour te payer un ou deux pleins tous les mois à l'œil. Je suis désolé, hein, quand tu peux le faire, tu le fais. Hein. Bah bon, ça c'est pareil, c'est un autre débat, mais je vais arrêter de parler de ça parce que je vais m'énerver encore. Je me connais, je vais m'énerver, je vais commencer à gueuler derrière mon écran et c'est pas l'objectif. Mais bon, c'est façon de parler, je sais qu'il y a des personnes plus âgées qui me regardent, qui comprendront parfaitement ce que je veux dire. Oui, voilà. Bah, après, oui. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en foutent peut-être de ce que je dis, mais bon, je sais pas pourquoi je suis arrivé là-dessus d'ailleurs. Des fois, faut pas chercher, tu pars sur un sujet comme ça. Et puis voilà, hein, je me suis dit, hop, autant qu'on parle un peu de choses et d'autres. Hein. Bah ouais. C'est un petit peu l'objectif. C'est toujours mieux de parler quelque chose de la vie actuelle, par exemple, que de faire une vidéo et de pas parler et puis que ça soit nul à chier. C'est le principe, en fait, que je me dis. C'est sûr que oui, c'est mieux. Donc c'est pour ça que, voilà, moi, j'en parle et puis basta, quoi. Mais c'est vrai qu'après, c'est quand même... c'est vraiment... Il y a des moments, tu sais quoi. Mon papy, souvent, il m'engueule. C'est pas méchant, il me dit, mais tu regardes jamais les infos, machin et tout. Alors je lui réponds, je lui dis, si, à une époque, je regardais tous les midis. Je lui dis, mais aujourd'hui, je regarde plus les infos. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que c'est pareil. Je lui dis, parce qu'à chaque fois que tu regardes les infos, t'as envie de déprimer, quoi. Mmh. Hein, quelqu'un s'est fait décapiter. Le gaz augmente, le gasoil augmente, si augmente, ça, on perd ci, machin. Je lui dis, je préfère pas regarder les infos et puis te faire du mal derrière un écran. Non, je préfère allumer ma Xbox One et prendre du plaisir. Ah bah, tu sais que oui. Si c'est pour entendre des conneries et machin à droite à gauche, moi les médias, tu sais, c'est bon d'entendre des infos, mais quand c'est toujours porté sur certaines choses, c'est bon quoi. Bah, il y a un moment donné, il faut dire ce qu'il y a, ça te casse les couilles. Ah oui. Mais j'ai pas peur de dire le mot parce que c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment chiant. Parce que quoi que tu fasses, quoi que tu entendes, quoi que tu dises, t'as toujours autre chose qui se passe. Bah ouais, c'est ça. Et après, faut rester positif dans l'histoire, mais il y a des fois... Et maintenant, elle décharge toute seule cette conne de machine, mais elle se fout vraiment de ma gueule. Hein. Non mais là, les amis, vous avez vu, hein. Je suis monté dans le fend, elle ne déchargeait pas. Elle se fout, elle se paye vraiment ma gueule, cette machine, sans déconner. Elle déchargeait pas et maintenant elle décharge. Bon, bah écoute. Ça va, moi ça fonctionne pas par contre. Ah ouais? Ah non, j'ai essayé tout à l'heure. Elle est complètement con cette machine, hein, c'est tout ce qu'elle est. En fait, je crois que c'est quand elle est pleine à 100% qu'elle ne vide pas. D'accord. Je crois, hein, parce que moi elle était pas pleine, là, elle a déchargé. Ce serait la raison. Ouais, bah c'est une drôle de raison, tu vas me dire. Ah hein. Oui, bon. Faut s'en faire une. Ouais, mais de toute façon, plus. C'est ce que je dis, plus rien me choque. C'est comme Fraps, plus rien me choque. C'est comme Vegas Pro 12 qui marche plus du jour au lendemain. Pas grave, j'ai l'habitude maintenant à force, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais bon, après, c'est comme ça, on peut rien y faire. Bref, putain, il est déjà 14h bientôt. Va te faire foutre. Je pensais, on tourne pas ce soir. Bah, justement, si, c'est pour ça qu'après cette vidéo, il va absolument falloir que je fasse monter mon PC parce que mon disque dur est bientôt plein. Ah, ouais. J'ai 5 ou 6 vidéos en attente là. Ah oui. Donc tu vois un peu quoi. Il y a de quoi faire. Ouh là là, oui, j'imagine. Je te laisse prendre sur ma droite ou comme tu veux. Moi je vais niquer le petit carré là. Ouais, tu niques le carré. Ok.
Je vais me foutre. Comme ça, il fait pas chier le monde celui-là et on n'a plus besoin d'y penser. Ouais, ce que j'ai pensé comme la semaine dernière, bah vous avez pas tourné. Et puis bah, j'ai pensé pour ce soir, j'ai dit tiens, on va savoir si on y va ou pas. Ouais, ouais, normalement ce soir on tourne, mais le truc c'est que c'est vrai que la semaine dernière, moi j'avais autre chose à faire. Et puis après c'est pareil, pour réunir les gars, c'est toujours pas évident. Bah non, c'est vrai que là depuis un petit moment c'est un peu délicat, mais ça va revenir. Ça va revenir, mais après c'est bah, pas ouais. Plus mal parce que bon, je pense que les gens ils se lassent un petit peu de Farming 13 aussi. C'est typiquement ce Célian, hein. Là il m'a dit, là il peut plus voir Farming 2013. Hein. Il m'a dit les seuls moments où il vient jouer, c'est quand on joue avec Jouant dans le Pré ou quand on joue sur mon serveur. Mais il m'a dit sinon en solo, il m'a dit moi je touche plus à Farming. Il m'a dit c'est bon, ça m'a cassé les rouleaux. Hein. Il m'a dit à un moment donné, quand tu vois trop un jeu, c'est bon quoi. Bah, ça l'avait fait entre le 2009 et le 2011, pardon. Et ça me l'avait fait, moi. J'avais eu un moment de... Ouais, j'avais plus envie, ça me saoulait, j'en avais marre. Et puis, tu vois, après... maintenant, je préfère jouer avec des gars que maintenant jouer tout seul. Hein. Je joue en partie solo. Je joue que de temps en temps, mais je joue beaucoup moins en solo que... en multi, hein. Ouais, voilà, ouais, c'est pareil. Enfin, non, moi, c'est pas ça. Moi, bah, maintenant, je fais des carrières solo, mais c'est différent. Oui. T'as un intérêt, tu filmes, tu discutes, c'est pas pareil, ouais. T'as un intérêt à faire ça que quand tu es, je sais pas, quand t'es vraiment en solo pour ta gueule, il y a un moment donné, y a plus d'intérêt à quoi que ce soit. Bah, non, t'arrives toujours à améliorer quelques petits trucs, mais bon, c'est vrai que Farming a été surtout conçu pour jouer en multi. Hein. Bah, le multijoueur fait beaucoup de choses. Bon, après, c'est sûr que le 15, là, on va tous jouer en solo comme des gros enfoirés au départ parce qu'on est fan, quoi, tu vois. Moi, je sais que je t'explique pas ce que j'ai prévu pour le 15, là, ce que je vais faire en solo. Je peux te dire que mon PC, bon, déjà qu'il dort jamais, mais là, il va ramasser. Hein, je crois que je vais allumer Farming le jour de sa sortie et puis je vais quitter le jeu 15 jours après. Hein. Tu m'étonnes. À part s'il y a une putain de mise à jour qui me redémarre le PC la nuit, comme ce qui s'est passé cette nuit. Ah ouais? Ah ouais. Voilà, quand des fois il installe des mises à jour, tu sais, t'as un message qui apparaît et puis qui te dit voulez-vous reporter le redémarrage de Windows? Oui. Et ben si ça tu le reportes pas, il se met par défaut en 10 minutes. Oui. Donc à un moment donné, tout me redémarre. Mais vu que j'avais mis des présentations de mode cette nuit et que je les avais mis assez tôt dans la nuit, il avait déjà fini de upload quand il a redémarré, donc ça va. Ah d'accord. Donc je me suis pas fait baiser une vidéo, quoi, on va dire. Si c'est ça que tu voulais entendre, je me suis pas fait avoir. Parce que je me suis déjà fait avoir pas mal de fois, on va dire. Oui, j'imagine. Ouais. Mais c'est bien rageant. Putain, l'ouvrier était bourré, il a oublié plein de patates. Je vois pas de quoi tu parles. Mais après, c'est vrai que ce qu'il y a de chiant en fait avec la machine, c'est que si t'es pas droit, direct quand tu rentres dans le rang et tu mets un coup de volant, elle se décale tellement qu'elle te laisse un rang, quoi. Ben oui. Ah, puis pour moi la coupe est bon, elle est un petit peu trop petite. J'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus large que le châssis de la machine, mais bon. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ça aurait été un petit plus. Après, je vais vider d'abord. C'est pas pour ça que tu vas plus vite, hein, mais bon. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, hop. Mais c'est au moins pour pouvoir gérer ce genre de choses dans des petits virages, des trucs comme ça. Bah, c'est pour ça qu'à un moment donné, ces grimes-là, il y a un mec qui a fait qu'on pouvait agrandir l'avant. Ah oui, bah de toute façon, ouais, tu lui foutais 7,50 m à la machine, je peux dire qu'elle avalait. Hein. pas peur. Hein. Toi, ta benne, elle en est où en haut? Moi, je suis à. Grosso modo. Toi, t'es à combien? Vu la gueule qu'elle a, elle est bientôt pleine. 93, toi? Donc, tu vas être à 78. Non. Ah, ça va. Pouvoir encore baigner un petit peu dedans. Allez, on est parti. Donc, du coup, ce champ de patates, il sera au moins fait. Ça sera pas mal. Ah, il y en a encore là. Bon, ça va. Celui-là, ouais, il y en a encore à côté. Ouais. Il ouais. est petit, donc ça va. C'est pas. Oh, mais mine de rien, on a presque torché celui-là. Ah, bah oui, il reste plus que ça. Ah, putain, ouais, quand même. Je pensais pas qu'il était déjà fini. Voilà. Bah. Ouais, ça a été pourtant assez vite, malgré qu'il soit mal branlé, mais ça va. Ouais, franchement, ça allait quand même assez vite, hein, on va pas se plaindre. Il faudra aussi qu'on ramasse l'herbe aussi, putain, bientôt là-bas. Au champ, au grand champ juste à côté là-bas. Oh putain, oui. Ah bah, c'est le 30-40. Merde, ouais, que vous avez semé en herbe et que maintenant, quand on va vouloir le labourer, on va bien se faire chier. Oh putain, ouais. Parce si j'avais faut, su. Parce qu'il faut le labourer manuellement. Ah oui, mais oui.
Et vu la taille des longueurs, mon gars. Après, oh je là sais là. Qu'il existe des déchaumeurs assez grands qui créent des champs aussi. Ouais, bah donc, ouais. Dans ouais. le pire des cas, on se fera ça au déchaumeur et fini. Ah, mais c'est vrai que là, on a merdé. Ouais, bon, après, hop. Pire des cas, on laisse comme ça quand on n'a plus rien du tout. On Oui, sait qu'on a un oui. énorme champ, on le fait en une fois et on remplit le stock pour 3 ans de nouveau et fini. Ouais, pour 3 ans, ouais. Au moins. Au moins, ouais. Oui. Moi, je vais ramasser un peu les petits bouts qui traînent là. Alors, des fois, c'est marrant parce que t'as juste des taches de pulvée et puis dedans t'as des patates, mais t'as pas de fan en fait. Non, c'est ça. C'est marrant. C'est marrant sans être marrant en fait. Oui. Voilà. En fait, il faut prendre tellement large avec cette machine que. Oh. Ah, bah oui. Mais tu vois, ça, c'est une machine sur chenille qui ne glisse pas. Ah non. Comparé à certaines machines qu'on peut des fois avoir où tu tournes à droite, t'as l'impression d'être sur une patinoire. Ouais. C'est un peu relou, ça, on va dire. Vraiment, il va te rester une bande à remonter. Ouais. Moi, je vais la prendre, t'inquiète. Hein. Si j'arrive à la prendre. Oh, si, si. Parce que tu sais, avec les machines, c'est toujours pareil. Oh, tu prends 5 rangs, donc c'est bon. Hein. Bah, théoriquement, t'es censé en prendre que 4 avec cette machine. Ouais, mais là, il y a un petit bug. Du coup, elle en prend 5. Ah, bah, tu vois, non, elle me prend pas 5 rangs. Ah. Elle me prend pas tout. Bon, ouais, je redescends. Ah, si, là, maintenant, elle me le prend, mais pas devant, tu vois. Ah, ouais, tu vois. Devant, elle m'a pas tout pris. Ouais, c'est ça. Toi, ta benne, elle est à 93 et moi, je suis à 86. Ah, tu viens de décharger, là? Ouais, je suis en train de décharger, là. T'as de la place pour la tienne, non? Bah, je vais caser ça dans les deux trémies, hein, puis c'est tout. Dans les deux remorques, hein. Oui. Bah, à la rigueur, ta machine, bah... t'as qu'à la mettre tout de suite à l'autre champ, et puis ramène-moi ma benne. Ok. Comme ça, là, j'ai... Ouais, quand j'aurai remonté, j'aurai peut-être 16 tonnes dans la train de machine. Je vais vider dans les deux, comme ça on pourra aller décharger les patates et on sera tranquille. Ouais, parce que tu vois, je fais 94. Ouais, voilà, donc je vais plus mettre grand-chose dans la tienne. Hein. Bah, non. Vu que la mienne est à 93, je vais plus mettre grand-chose non plus. À 1% près, oui, c'est ça. Je sais pas si je vais réussir à mettre 8 tonnes dans les deux. Aucune idée. Ah. Allez, remontons. En direction de la benne à David. Donc du coup ça nous fera des champs, il faudra qu'on épande de nouveau hein, une fois. Je pense que cette fois-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va tout récolter sur la carte, tu vois. Oui. Mais absolument tout. Et après on fera de l'épandage massif, du semi-massif et tout, tu vois. Ah ouais. Comme ça on arrive une fois correctement à liquider tout le stock de fumier, de lisier, etc. Ouais. quoi. Ouais, carrément. Ouh, je vais peut-être même réussir à vider. Hein. Il me reste 9 tonnes et j'en ai mis 9 tonnes dans ta remorque. Ouais, il te reste 7% sur l'autre. Donc normalement, ça devrait le faire. Peut-être que ça va le faire. J'ai bien dit peut-être. Hein. Ah. Suspense. Il me reste une tonne. Ça passait presque, mais bon. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est passé. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. C'est que c'est presque passé. On va pas se plaindre. Bah, deux bennes là-dedans, ouais, ça va. Hein. 240 tonnes, ça va. 240 000 tonnes, pardon. Non. 240 000 tonnes, t'es fou. 240 tonnes. Plutôt. 240 tonnes. 240 000 tonnes, waouh! Oui, non, je kilo, kilo, kilo. Oh non, en fait, tu sais, je pensais aux betteraves qu'on avait sorti sur le grand champ d'herbe, on avait sorti cette surface. Oui! Ah ouais, non, mais là, c'était waouh, monstre! Voilà, c'était, on monstre. Était complètement marteau d'avoir fait ça, je crois. Oh, mais... les cinglés! Putain, les tas de betteraves qu'on avait, on savait plus où aller avec. Bah attends, et on a passé un sacré moment à hein, tous les enlever. C'est clair. On y avait été, bah, donc vous avez fait une vidéo là-dessus. Et puis après nous en hors vidéo avec Aurel et Bruno on a passé presque 2 heures je crois. T'imagines? Et on avait encore pas tout enlevé. C'est bon bien. C'est clair. Et ah, encore là, on tournait avec les roues pas. Hein. Oui, mais oui. Non mais là vous aviez fait les grands malades là.
Ah bah il y avait du stock. Ah bah là maintenant des betteraves. Je crois que on sera mort avant qu'on en ait plus. Putain oui. J'en suis presque même convaincu. On aura crevé avant. Je pense. Ouais. Comme ça on récolte ses patates, on sera pas mal. Hop là, petit coup de sauvegarde. Ouais. Bon, du coup, je te laisse vider les bennes. Hein. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'ai. J'ai commencé le détourage tranquille. La machine est de l'autre côté, là-bas. C'est bon. Ouais, comme ça, toi, tu descendras et tu seras tranquille. Oui. Bon, là, si on fait une benne. Bon, mine de rien, j'ai fait un aller. En partant d'en haut, un aller vers là, un retour, j'ai 60% dans le bordel. Hein. Ouais. Donc c'est quand même ça remplit. Hein. Ça remplit, mais je pense pas qu'on fasse plus d'une benne. Bon, ça on verra. Ouais, ouais. On le verra de toute façon assez vite. Hein. Quand on aura fini, on sera fixé, on va dire. Ouais, ouais. Je crois que pour aller plus vite, parce qu'en fait, l'avantage que j'aurais si je capturais avec Action Merylis, vu que les fichiers farming sont tellement grands avec Fraps, t'imagines pour déplacer 140 gigas sur un disque dur et faire convertir le PC portable po. Tu vois que si c'est des fichiers d'Action Merylis qui sont pas grands, ouais. je peux les déplacer sans aucun problème sur un disque dur en 2-3 minutes. Et oui. Faire convertir le PC portable en prime avec, tu vois. Ouais, d'accord. Comme ça, je convertis deux fois plus vite. Le PC portable, il fait une vidéo et le gros, il en fait une autre. Et par exemple. Marque. Bon, bah, du coup, il suffisait que. Bah, tu vois, je suis déjà plein là. Je suis à. Ouais, 94%, on va dire que c'est plein. Oui, oui, oui. Tu te tais. Parce que je te sentais bien venir. Oh, mais c'était pas tout à fait plein. Ouais, ta gueule. On le prend à moitié vide. Hein. Enfin, à moitié vide. Là, il y avait une tonne qui rentrait. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se retourner avec le FND. Là. La remorque, elle a fait du deux roues. 4. Ouais, 4 roues, ouais, aussi. Voilà. Déjà, 18 tonnes dans une remorque. De faire le boule comme je suis parti comme ça. Bah donc du coup pour pas remonter à vide, je vais reprendre une rangée par là. Voilà. Et après on fait dans ton sens, on monte et on descend, comme ça on se fait pas chier. Ouais. Enfin tu vas me dire, dans le sens où je suis c'est plus long le champ. Bah ouais ça fait, ouais il y a un peu plus long de ton côté. Ouais, donc du coup on va faire comme ça, vu qu'au bout j'ai bien détouré, il y a de la place pour tourner, donc on va faire comme ça, on va pas se faire chier. On va couper en milieu et basta. Comme ça on sera tranquille là. Exactement. Regardez-moi la manœuvre qu'il nous fait là. David, David si à l'action. Je connaissais le con qui avait été fou de ce putain de tracteur là. Non putain, ouais, si je le connaissais ce con là, je lui tirerais les oreilles. Ah oui, je l'enlèverais moi je crois même. Ou je lui mettrais peut-être même une petite balle. Putain, c'est pas possible ça. Là, à la rigueur, t'as même pas besoin de trop détourer vu qu'on a de la place là, ça va. De ton côté oui, pour tourner. Bah, je fais juste deux tours, ça suffit. Ouais, voilà, ouais. Bah, de l'autre côté, j'ai quand même fait 4 tours, tu vois. Ah, regardez-moi ça. Et juste devant moi, il oublie un rang quand même. Il est balèze ce mec là. Ah ouais. Il est vraiment fort, le David, hein, franchement. Ouais, effectivement, je l'ai même pas vu. Juste devant moi, il arrive à oublier un rang, quoi. Juste, c'est genre pas fait exprès pour dire « Hey, t'as vu, je t'en laisse pour ta gueule, quoi. Tu es ouais, un connard, démerde-toi. De » Bon, bah écoute, ta punition, je vais te semer un champ de 3 hectares que tu vas récolter à la pioche. Ah non. Ah, mais si. J'ai compris pourquoi j'en rate. Pourquoi? Parce que je me fie sur mon côté droite et c'est le côté qui ramasse moins bien. Le côté gauche ramasse mieux. Ramasse mieux. Il ramasse mieux, oui. Ouais, bon, ça j'ai jamais compris aussi pourquoi t'as un côté qui ramasse mieux que l'autre. Bah oui. Bah bon, après on pourra pas se plaindre.
C'est déjà mieux que de l'arracher avec la machine à un rang, là. Oui. Oh, c'est bien pour la ferme des anciens, sur les petites parcelles et les trucs, c'est sympa, quoi. Ouais, bah du coup, la ferme des anciens, il n'y a plus. Hein. Bah ouais, t'as... Pour ma sauvegarde, là. Moi, je te dis, quand j'ai eu vachement mal à cause de mon kyste, là, j'ai pas touché au PC pendant 5 jours. Il me servait juste à mettre une vidéo en ligne, quoi. Ouais. Et un beau matin, j'arrive un peu à m'asseoir. Je dis, tiens, je vais aller faire un petit tour sur Farming. J'ouvre mes carrières, plus rien. Sans rajouter de mode, sans rien. Oh là là. Donc, du coup, la ferme des anciens, je l'arrête sur Farming 13, mais je la reprendrai sur le 15 quand il y aura des modes. Bah oui. Parce que je pense qu'avec les nouveaux graphismes, ça peut être sympa. Oh. Et pour la ferme des anciens sur le 15, j'ai encore un bon projet là. Que je vais rajouter dans la ferme des anciens qui va vraiment être sympa. J'espère que tu notes tout là dans tes projets parce qu'autrement tu vas t'y perdre là. Ah non. J'ai pas énormément de projets. Enfin, j'ai pas énormément de projets dans un certain sens. Mais les petits projets que je veux rajouter, c'est pas des trucs que j'oublie parce que c'est des trucs que je vais faire. Si tu veux, maintenant j'ai un nouveau concept que j'ai décidé que je ferai pour le 15. Que je commence un peu dans le 13, mais ça sera vraiment le 15 qui va reprendre la relève. C'est que maintenant, des carrières suivies en solo, je ferai 15-20 épisodes et j'arrête et change de map. Merde, je suis bah, ouais, j'avais vu un petit peu les abos qui t'avaient un petit peu conseillé ça, puis t'avais demandé surtout. J'avais posé la question parce que pour ma part, je trouvais que c'était plus intéressant de faire 20 épisodes. Comme ça, si t'as pas mal de bonnes maps en réserve, tu peux montrer plus de choses. À moins, c'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos solo, à moins que j'ai le coup de cœur comme j'ai eu au début de ma chaîne sur la Belgique profonde, où j'avais fait 45 épisodes, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, parce qu'il y aura forcément une map coup de cœur, hein, ça c'est clair. Oui. Mais sinon, je ferai comme ça, 15-20 épisodes sur chaque map et on change. Comme ça, ça permettra tout simplement de changer, quoi, et puis de pas avoir toujours la même chose, on va dire. Ouais, c'est ça, et puis, ouais, c'est... Faut pas que ce soit trop monotone non plus, quoi. Oula, David est connecté. Hein ? Je viens de te voir te connecter sur Skype. Bah, tu déconnes. Non. C'est pas possible, parce que je suis déconnecté. Bah, je te jure, je viens de te voir connecté. Comme je suis en mode fenêtré, je viens de te voir te connecter. Bah... Ouais, normalement, il peut pas, mais bon. Ouais, bah écoute, c'est peut-être ton PC portable qui a démarré tout seul. Ah, va savoir. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Depuis un moment, j'ai les deux PC qui veulent plus s'éteindre. Alors, alors je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est comme mon papy à l'époque, il m'a une fois raconté. Il avait une Ford Escort Kia, il part au boulot en Allemagne, il arrive, il éteint, il sort de la bagnole, il marche trois pas, le moteur tournait encore. Avec la clé enlevée. Oui. T'imagines comme tu dois te sentir con là. Bah il y a qu'une seule technique pour éteindre ta voiture. Première, embrayage et tu l'as fait caler. Tu peux faire ça comme ça. Mais admettons tu vois un moteur qui est emballé. Tu peux plus l'arrêter, t'as enlevé la clé, tu jettes la clé dans le fossé, c'est pareil. Et bah il y a juste le truc tout bête, c'est tu mets ta main sur la boîte à air et puis bah tu l'as fait tousser. Ouais aussi, mais si c'est une voiture, des voitures récentes qui ont plein de bordel en... plein de plastique, t'as le temps de ton moteur et il a le temps de serrer 10 fois. Hein. Le temps que tu trouves la boîte à air. Ah bah oui, t'as intérêt de la connaître. Hein. C'est foutu. Ouais, tu mets, si t'as une voiture qui s'emballe, tu mets la première, tu mets debout sur les freins, tu jettes l'embrayage, ta voiture elle va faire un bond de 15 mètres, mais au moins le moteur est arrêté. Bah c'est ça. Hein. Bon, t'as peut-être une chance que l'embrayage soit parti avec, mais au moins ton moteur il est sauvé. Hein. Oui. Voilà, c'est reparti. Impeccable, Maurice. Ah bah du coup, on va finir ce champ et puis on s'arrêtera là, tranquille. On en est à 40 minutes, mine de rien. Ça passe super vite. C'est un truc de barge. Je pense que tu es d'accord. Eh ah bah là, oui. C'est MC King. Ah, ça c'est clair. Ça passe à une vitesse phénoménale. Ouais, on s'en rend même pas compte. Ouais, c'est ça. Surtout en multi, hein. En multi, c'est un truc de malade, tu te rends vraiment pas compte de comme ça passe vite, quoi. Oh bah ouais. Par contre, tu vois, Vegas Pro 12 sur mon PC portable marche nickel. Ah ouais ? Va chercher à comprendre l'erreur. Ouais, bah là. Ouais, je le désinstallerai, je le réinstallerai, ça sera bon. Je peux pas me faire chier, je vais faire comme ça et terminer. On va pas s'embêter quand on peut faire simple.
Bon bah moi du coup. Ah bah moi je sais ce que je vais faire vu que je m'étais arrêté, vu qu'il faut que je vine, je vais aller là-bas. Je sais que je vais trop vite. Oh, je veux pas éteindre la machine pour descendre le bec dans 2 minutes, merde. Voilà, impeccable. Allez, allons décharger. Putain, mine de rien, la benne, elle a pris une sacrée claque là. Putain. On va la remplir, tu vas voir. Non. Bah, Elle est t'as. qu'à 60%. Ouais, mais attends, je suis en train de vider, hein. Deux Ouais, je sais. trémies, deux trémies pleines, 40 tonnes, c'est vite plein si Ouais. tu regardes, hein. Ça va aller vite. Ouais, c'est ça, hein, ça va vite, hein. Du coup, des betteraves, on en a pas planté, je crois pas. Non, Non. non. Non, non, Betteraves, non, non. Non, on l'a. On avait fait un épisode dessus. Ouais, voilà, et betteraves, on a décidé qu'on en avait, on avait de quoi produire du sucre pendant 30 ans, alors c'est bon. Voilà. C'est pour ça qu'on a décidé qu'on fait plus de betteraves. Pour le Bah, moment. au moins sur l'aide des Newtons, quoi. Voilà, ouais, sur la haie des Après, moutons. bon. C'est con qu'on peut pas transvaser quelques betteraves de map en map. Hop là, alors là, j'en ai Même juste de trop sur l'aide des l'argent de la haie des Newtons. moutons, hein. Même juste ça, oui. T'es plein, toi? Ouais. Ah, voilà. Moi, je te dis. Merde, j'ai éteint la machine comme un idiot. Je te dis, on va la remplir, la peine. Toi, tu poses 20 tonnes. Moi, j'ai déjà nouveau 4 tonnes. Le temps de finir. Elle va pas être loin d'être pleine, je pense. Parce que là, elle est à 64. Plus ce que je vais mettre. Ouais, bah 20 tonnes. Ouais. Donc 80. Moi, je pense que je vais arriver à je sais pas combien quand j'aurai fini. Allez. Alors, je vais réussir à tout prendre normalement. 81, ça va. T'es pas un trop mauvais. Ah, arrête de faire ça. T'es pas un trop mauvais calculateur, ça va. Ça va, je me suis pas planté de beaucoup. De 1%. Ah ouais, c'est la marge. Comme je suis avec les banquiers, ça. 1% de trop, t'es viré. Gros con, tu sais. De gros con de base, quoi. Impeccable. Tu remontes par la rangée de La gauche, là? petite, ouais. Ok. Et tu verras, j'ai une rangée qui est commencée, tu vas voir quand tu vas arriver, celle qui est sur l'extérieur. Ouais. Moi, je vais prendre celle qui est commencée. Et du coup, Ouais, je si je dis reviens pas et de c'est pile conneries, poil. quand tu reviens, ça sera bon. Donc, moi, je finis et je vide, quoi. Parfait, parfait, parfait. Ouais. On va le temps que le PC va convertir. Je sais pas ce que je vais faire. Faire un peu de ménage peut-être, ça serait une bonne idée ça. Ok. Bon bah nos patates seront ramassées. Est-ce qu'il y en a encore? Je vais jeter un oeil. Je me demande que s'il n'en reste pas un. Visiblement si, un assez grand qui est pas encore prêt. Il est tout en haut de la map. Il est tout en haut de la map à côté du point de vente. Ah ouais, bah je retire peut-être ce que j'ai dit en fait. Il était pas si petit que ça quand même. Hein. Bah je pensais pas qu'on en sortirait autant de rendement. Oh putain, je finis à zéro pile poil. La benne allait à 95%. Ça Oh. va, t'as de la chance. Je m'en sors bien. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, ranger cette machine. Faudra qu'on rancille aussi de nouveau pour là-dedans parce que. Ouais, ça manque. On va peut-être ensiler de l'herbe pour changer, on verra. Voilà. Bah, c'est ce qu'on avait fait dans le dernier épisode déjà. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, bah écoutez les amis, nous sur ce, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde! Salut, salut!